Salut, bienvenue sur testmoi.com. Aujourd'hui, nous allons découvrir un produit basique mais très très important. J'en ai eu besoin il y a un an de cela. C'est des coins de table. Voilà, ça paraît tout bête, mais voilà, des coins de table peuvent sauver la vie. Donc vous les voyez ici. Bon, forcément, il y en a sur les quatre coins de la table. Pourquoi ce produit-là? Déjà parce que je cherchais un produit le plus efficace possible, voilà, pour essayer d'absorber les chocs et que mon bout de chou n'aille pas à l'hôpital, puisqu'il commençait à marcher très très tôt. Et comme il est toujours grand, donc voilà, il commençait à arriver au seuil critique de la hauteur. Et je me suis dit, j'aimerais pas avoir un borgne, tant qu'à faire, il a eu deux yeux en état de fonctionnement, donc autant lui laisser. Voilà, en tous les cas que voilà, j'ai pas un fils, c'est pas un cyclope, donc voilà, je me suis dit, je vais le protéger au maximum, voilà, sans le surprotéger non plus, mais voilà, sur internet, j'avais cherché un petit peu partout, et je suis arrivé sur Amazon, voilà. C'était un produit donc relativement simple, mais plutôt efficace. J'étais confiant quant à sa conception. Donc un espèce de silicone, donc vous voyez ici. Donc déjà là, le gros avantage, c'est que ça arrive par 20. Donc ça fait que vous pouvez faire 5 tables ou plusieurs meubles. Voilà. En général, c'est plutôt le bon compromis. Vous pouvez faire 2, 3, 4 tables et puis après un petit meuble. Ou plusieurs meubles et une table ou deux tables. Enfin voilà, selon la configuration chez vous. Alors moi, cet avantage, c'est justement ce conditionnement assez conséquent. Voilà, on en a par 20. Transparent, pour aussi voir quand même les meubles et que ça vienne pas masquer et que ce soit pas moche. Voilà, c'est pas une maison témoin, mais c'est pas non plus je voulais pas que ça fasse quelque chose de dégueulasse, ça c'est clair. Donc une marque Balfair ou Balfait, je sais pas comment on dit. Enfin bref, je vous mettrai le lien dans la description en commentaire. Donc voilà, on les reçoit sous forme de sachets de ce type, tout simplement, avec les petits coins, avec la colle protégée par le petit papier. Là, c'est le produit brut, si je puis dire, avec donc le petit, alors lui il veut pas me faire là, je vais essayer de faire jouer la mise au point. Bon, Eric se sent, il est joueur aujourd'hui ou pas? Bon, il n'a pas l'air motivé. Hop, donc là, en gros, j'essaye de vous montrer, mais vous le verrez. Voilà, peut-être comme ça. Donc là, il y a un petit smiley. Donc ça, c'est déjà rigolo. Quand vous le mettez donc transparent, bon, sur un fond noir ou un fond blanc, ça se voit. Donc vous avez le petit smiley qui se trouve ici. C'est toujours mieux que si c'était transparent sans rien du tout. Donc là, avec la petite étiquette qui n'est pas enlevée. Là, avec l'étiquette qui n'y est plus, donc prêt à coller. Voilà, j'ai préparé mon truc. Là, on arrive sur l'angle. Donc vous voyez, c'est très très épais. Et ça se, voilà, ça vient se positionner relativement bien. De l'autre côté, donc sans le papier. Avec le papier, si vous voulez voir un petit peu la différence. Et donc, vous voyez l'effet loop. Pour montrer vraiment comment c'est bombé, ça protège sur l'angle saillant, sur les deux côtés, forcément l'angle droit. Donc c'est un produit que j'ai installé sur ma table de cuisine. Table de salon, ça n'allait pas. Alors ça, c'est le désavantage, c'est à dire que si vous avez des meubles en bois, attention à la colle, ça peut enlever le bois et vous arracher un petit peu tout, donc ça craint un petit peu. Et si c'est des bouts arrondis comme j'ai sur ma table basse de salon, ma petite table basse de salon, ça ne va pas du tout. Voilà, mes meubles de cuisine, c'est pareil, ça ne va pas. En tout cas, le vaisselier que j'ai, ça ne va pas, c'est pas des angles vifs, c'est plutôt arrondi. Donc voilà, ceux-là ne vont pas en tous les cas dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est que au niveau de la table, je vais vous montrer le produit via mon smartphone. Hop là, le balayage est pas sympa, mais... Ah, reviens par là, toi. Donc vous voyez, donc, le produit qui coûte, bon, avec les frais de port, parce qu'ils ont doublé les frais de port, en gros, ça, vous comptez plutôt un peu moins de 6 euros pour les 20 produits. Alors, reviens par là, toi. Donc voilà le produit. Ça fait pas très beau le défilement de l'image. Ça, c'est mon téléphone, ça veut peut-être dire change-moi, change-moi.
Ça pourra faire un nouveau test par la suite. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc vous voyez, comme sur cette image-là, si vous avez une table épaisse, ce qui n'est pas le cas pour la mienne, vous pouvez mettre un patin au-dessus et en dessous. Donc ça c'est plutôt, ou un plan de travail par exemple, un îlot central, c'est une très très bonne idée. Voilà. Et moi par exemple, donc ça fait une bonne année que j'ai mes coins de table. Voilà, donc ça, voilà, le petit a évolué avec, avec la configuration de l'intérieur. Donc là je voulais enlever exprès pour le positionner, puisque j'en ai un justement, comme par hasard, non non il n'y a pas de hasard, j'avais préparé mon truc, voilà, qui est arrivé au bout. Donc là, vous voyez, avec la colle, bon, la colle devient un peu, ouais, un peu dégueulasse. Faut dire ce qui est. Et ça peut glisser. Donc, bon, la colle va rester sur la table, mais ça se nettoie relativement bien. Voilà. Et après, vous voyez ce que ça donne. Ça vient tomber. Donc, le but du jeu, c'est pas que, ben, c'est pas que ça tombe. C'est pas que le petit aille se bouffer le coin de la table. Donc, j'allais justement en changer un. C'est le premier que je change. Hop, on va le faire en direct. Donc vous voyez un petit peu la colle qui peut rester là. Bon, j'avais déjà frotté, il en reste un petit peu, mais c'est pour vous montrer. Donc ça vient se positionner comme ceci. On vient le plaquer, et pas délicatement. Et là vous voyez, on voit le vide d'air lorsque l'on appuie. On voit le petit smiley qui apparaît. Donc moi en général, je fais plutôt les choses à la bourrin, pour que ça tienne bien en même temps, c'est les yeux et la tête de mon petit, donc le tampon il va prendre un peu cher. Voilà, alors on va essayer de voir le petit smiley là. On le voit, il est là, il est là le smiley. Donc voilà, là c'est positionné, donc vous voyez l'épaisseur. Voilà, donc c'est un produit qui est vraiment vraiment intéressant. Voilà, donc là, pareil, sur le coin de la table, je ne vais pas vous compter les quatre coins, vous savez comment est constituée une table. Voilà, donc ce produit-là, moi je lui mets sur 10, je lui mets 8, voilà, et sur 20, je vais lui mettre 15. Parce que tout simplement, bon, il ne va pas se positionner sur les tables, comme je vous disais, les tables en bois avec des... Voilà, plutôt des coins arrondis, et ça c'est dommage, c'est dommage. Voilà, ils auraient dû prévoir un autre système. Bon, en tous les cas, ce produit-là, je vous le conseille vivement. Si vous posez la question, moi je vous le dis, ne le testez pas. Voilà, faites-moi confiance. Et en tous les cas, vous pouvez retrouver ce test sur ma chaîne et bien d'autres qui vont pas tarder à arriver. Donc retrouvez-moi toujours pareil sur testmoi.com, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Site internet, c'est toujours en cours, c'est plus long que prévu, voilà. Mais ça ne tardera pas, s'il y a des personnes qui veulent me filer un coup de main, n'hésitez pas. Allez, merci, à bientôt.